ตลายเรียนครูปรบตะโกนาจิตเยี่ยมมาดอนหายโซมันจืดก็อยากเรียนเรียบร้อยตามตลายเรียนครูโซมออกยกตะตุกเวงไปโปรตะกราวปีคณะกรรมการได้จัดใจหายนึงโซมตะไปนึงสันติสุขสมิตากรมทอดไปโปรธาเยื่อเมียนคณะกรรมการ
messieurs les journalistes, messieurs les correspondants de presse. Le prochain à Paris qui va sceller le retour vers la démocratie du Cambodge, puis votre retour personnel dans votre pays. Quels sont vos sentiments personnels? Je suis extrêmement heureux et ému de me trouver en France à la veille de mon retour en ma patrie bien-aimée, le Cambodge. En fait, je suis toujours restée en contact avec mon peuple, avec mon pays, et cela malgré le soi-disant exil de Norodom Sihanouk, car pendant la guerre de 1970-1975, j'ai pu aller rendre visite au Cambodge. C'était en pleine guerre. C'était au mois de mars, je pense, 1973. Ensuite, à la tête de la résistance cambodgienne, il m'a été permis de rendre visite à mon peuple en zone appelée zone libérée. Et c'était entre 1979, en fait 1982, plutôt en 1982 et 1990. Et sous le règne de M. Pol Pot, j'étais son prisonnier. Entre décembre 1975 et le 6 janvier 1979. C'est pour vous dire que je n'ai jamais perdu contact avec le Cambodge et le peuple cambodgien. Et ma grande passion, c'est le Cambodge. Ce sera ainsi. Mais retrouver Phnom Penh, notre capitale, c'est pour ma femme, pour moi, un événement de première importance. Et pouvoir résoudre ce problème du Cambodge grâce à l'aide de la France, des Nations Unies, de tous les pays amoureux du Cambodge et du peuple cambodgien. Cela est pour nous vraiment une récompense extraordinaire eu égard à notre dévouement sans faille au peuple cambodgien et au Cambodge. J'ai toujours défendu l'indépendance du Cambodge. J'avais beaucoup fait pour que notre pays fût moderne, pour édifier un Cambodge moderne et dans les domaines de l'éducation nationale, je dois souligner que j'avais beaucoup fait pour l'éducation nationale, la santé publique, l'infrastructure, l'équipement général du Cambodge, l'industrialisation, la politique de l'eau, c'est-à-dire l'irrigation pour notre agriculture, la diversification des cultures. Mais maintenant, il faut tout recommencer puisque notre pays, après 21 ans de guerre et de misère, est très ravagé. Nous avons recouvré l'indépendance cette année, la dignité, l'honneur, mais il nous reste à réhabiliter notre peuple meurtri
et à reconstruire notre pays ravagé. C'est une grande tâche, mais cela ne m'effraie pas. J'avais très peur de mourir avant de voir le Cambodge renaître à l'indépendance, à la liberté, avec l'unité nationale, la réconciliation nationale. Mais maintenant, c'est fait et je dois rendre hommage aux Nations Unies, à son secrétaire, à leur, au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, à la France, au président François Mitterrand qui avait pris l'initiative de convoquer une conférence internationale sur le Cambodge en 1989, et c'est le couronnement de son œuvre ce mois-ci. Et je dois rendre hommage à tous les peuples, le peuple français en particulier, et tous les peuples, les autres peuples qui dans le monde nous ont soutenus, nous ont aidés, nous ont encouragés pour arriver enfin à réaliser notre rêve. Monseigneur, êtes-vous certain que la paix est revenue pour durer, d'une part, et d'autre part, il y a une question qui émeut une partie de l'opinion occidentale, c'est le fait de savoir que dans le Conseil national suprême, il y a deux représentants des Khmers rouges qui sont responsables du génocide du peuple cambodgien. Monsieur Hun Sen et son parti, qui sont très anti-Khmers rouges, ils ont accepté son Excellence Khieu Somphone et son Excellence Son Sen de Khmers rouges dans notre Conseil national suprême. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les Cambodgiens doivent réaliser leur unité, réaliser la paix, et la paix ne peut pas se faire avec la haine, l'esprit de vengeance. Et nous sommes bouddhistes. Oui, il y a parmi mes compatriotes aussi des musulmans, des chrétiens, mais les religions, quelles qu'elles soient, préconisent la tolérance, l'amour du prochain, le pardon. Vous êtes chrétien, je crois que vous savez ce que c'est que ça, le pardon, la tolérance. Alors, nous n'avons rien oublié de nos souffrances. Ce n'est pas une question d'oubli, mais c'est une question de réalisme national. Il faut que le Cambodge recouvre la paix, et la paix ne peut pas se faire sans l'inclusion des Khmers rouges dans notre communauté nationale. Alors là, on fait d'eux des gens responsables, conscients de leurs responsabilités face à l'histoire, face à la nation. Ils sont conscients de leurs erreurs et ils sont conscients de leurs devoirs. Leur devoir consiste à faire comme les autres. Alors, ils ont souscrit à toutes les clauses du traité de paix que nous allons signer le 23 octobre 1991 en la très haute présence du président de la République française. Il y a assez de garanties dans ce plan, et la garantie sera aussi assurée par l'autorité intérimaire de l'ONU. Quelle garantie? Garantie de respect des droits de l'homme, garantie de contrôle très strict de toutes les zones, en particulier les zones Khmer Rouges. Ils ne pourront pas faire la pluie et le beau temps dans leur zone. L'UNTAC sera partout. Je serai aussi avec l'UNTAC. Je serai toujours avec le représentant spécial des Nations Unies, avec l'UNTAC, c'est-à-dire l'autorité primaire des Nations Unies au Cambodge. Je serai avec Amnesty International, je serai avec le Comité international de la Croix-Rouge, je serai avec les agences d'aide humanitaire. Déjà, nous avons commencé ensemble nos travaux depuis la Thaïlande jusqu'à New York, et ici en France aussi, nous continuons nos travaux. Je serai avec tous ceux-là qui veulent que le Cambodge soit une véritable démocratie,
Et alors les Khmer Rouges devront être comme les autres. Ils ne sont pas différents des autres. Personne ne leur permettra d'être différents des autres. Et eux-mêmes, ils m'ont juré qu'ils seraient comme tous les autres Cambodgiens qui sont épris de liberté. Et aussi, permettez-moi de le redire, d'union. L'union nationale est vitale pour nous. Nous ne pouvons exclure personne. Il n'est pas possible de faire des Khmer Rouges des rebelles. Il vaut mieux faire des citoyens à part entière. Comme cela, ils assumeront avec nous toutes les responsabilités en tant que peuple conscient de ses devoirs. Monseigneur, quel message adressez-vous aujourd'hui à vos compatriotes qui sont au Cambodge même et à ceux qui sont réfugiés? Les réfugiés, je m'en occupe avec le Haut Commissariat aux réfugiés, avec le Comité international de la Croix-Rouge. Nous avons travaillé ensemble. Alors, il y a certaines choses à faire a priori. Le déminage et du Cambodge qui est truffé de mines, il faut éviter aux réfugiés des accidents. Deuxièmement, il faut mettre sur pied des camps d'accueil. Et je me permets de vous dire, même que je conseille aux commissaires, aux réfugiés, de mettre ces centres d'accueil en zone Hun Sen. En zone Hun Sen, parce que les zones Hun Sen sont très vastes. Et puis, on ne risque pas de se retrouver devant les Khmer Rouges, n'est-ce pas? Et puis, il y a les rivières, il y a les étangs, il y a les lacs, il y a les fleuves. Alors, nous manquons d'eau. Il ne faut pas que ces camps soient loin des fleuves, des rivières. Alors, en zone Hun Sen, on a tout cela. Et on a la sécurité pour les réfugiés. Ensuite, il faudra les recaser dans la communauté internationale, trouver des emplois. Aussi, ceux qui veulent retourner en leur village, ils le feront librement. Mais il faut éviter l'anarchie. C'est pourquoi nous avons un programme pour le recasement des réfugiés. Je leur ai déjà adressé un message en Khmer, très longuement d'ailleurs, de New York. Ce message est arrivé aux réfugiés, donc ils savent que je me préoccupe de leur sort et de leur sécurité. Et ceux qui veulent rester en Thaïlande, il ne faudrait pas les obliger à revenir au Cambodge. C'est le libre choix, c'est l'autodétermination pour tout le monde, pour les réfugiés comme pour les autres Cambodgiens. Je me permets maintenant de vous demander de bien vouloir me rappeler votre deuxième question. Alors, il s'agissait des réfugiés et puis il s'agit... Et vos compatriotes qui sont au Cambodge même, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Vous savez, nous sommes en contact par M. Hun Sen, M. Hon Am Hong, leurs excellences Hun Sen et Hon Am Hong sont mes intermédiaires. Je leur ai passé des messages déjà. Ils savent que je m'occupe des questions d'aide pour leur réhabilitation. J'ai obtenu des aides très substantielles de la France pour la réhabilitation et la reconstruction du Cambodge. D'ailleurs, avant de partir de Paris le 25, alors le 24 octobre, je signerai avec Son Excellence Bérégo Roy un accord d'aide française, c'est-à-dire à l'état du Cambodge de Son Excellence Hun Sen. Mon peuple sait que je m'occupe de lui à l'intérieur du Cambodge. Alors je rappelle aussi que j'ai obtenu de la Thaïlande, de l'Australie, de beaucoup d'autres pays, je crois, du Japon, des États-Unis, d'Amérique, etc., des aides pour soulager les souffrances et privations de la population victime des inondations.
Les Cambodgiens à l'intérieur du Cambodge savent que déjà, sans attendre mon arrivée le 14 novembre à Phnom Penh, je m'occupe d'eux. Et très concrètement, j'ai obtenu déjà pour eux beaucoup d'aide. Alors, il paraît que selon Son Excellence Hun Sen, Premier ministre de Phnom Penh, là, il paraît qu'il y a 1 million de Cambodgiens là, qui se déplacent même des provinces pour m'accueillir, pour si possible m'embrasser. On ne pourra pas embrasser tout le monde. Alors j'ai demandé une auto décapotable pour que je sois vu de tout le monde, mais Son Excellence Hun Sen dit qu'il craint des tirs isolés, tout cela, qui pourrait, n'est-ce pas, m'atteindre comme ça a été le cas du président Kennedy, tout ça, mais je préfère franchement une auto décapotable, n'est-ce pas? Le destin, on ne peut pas lutter contre le destin. Si on ne doit pas mourir, on ne mourra pas. Si on doit mourir, on peut mourir aussi, vous savez, en chemin de fer. C'est passé malheureusement récemment. On peut mourir en auto pour aller à la galerie Lafayette, par exemple. N'est-ce pas? Non. Pour moi, vous savez, et puis il y a des gens qui ont voulu ma mort, mais on me retrouve toujours là. Les Américains, ils m'appellent l'incoulable. Et il y a la CIA qui avait voulu me mouler, mais enfin, je suis incoulable jusqu'ici. Enfin, comme les Français le font, je touche du bois. Hein. Voilà mon message. Je crois que, étant donné que je n'ai jamais perdu contact avec mes compatriotes, où qu'ils soient, le message est celui que je viens de vous rappeler. Monseigneur, avant de vous laisser à la communauté cambodgienne, est-ce que vous nous permettez pour une fois de demander à la princesse Monique quels sont ses sentiments après autant de drames, après autant d'années insupportables pour le peuple cambodgien, le sentiment dans qu'elle a avant de revenir au Cambodge? Ayant beaucoup souffert, mais ayant toujours lutté pour la juste cause du Cambodge, à mes côtés, ma femme naturellement est très émue et extrêmement heureuse de retrouver le Cambodge. Non, elle refuse absolument, n'est-ce pas, de donner une conférence de presse. C'était juste un mot, Monseigneur. Oui. Non, vous êtes des Français, elle est un peu française aussi. Je voudrais bien qu'elle vous parle, n'est-ce pas. Vous êtes ses admirateurs, je pense, je l'espère. Qui n'admire pas la princesse Monique. Bon, alors tu leur parles, c'est charmant. Ensemble en 78 au moment du coup d'État, oui. Cela fait quand même 21 ans, que des preuves depuis. Oui. Alors, que ressentez-vous aujourd'hui? Je suis très émue, bien sûr, et j'aimerais que cette fois-ci, le retour au Cambodge soit pour de bon, que tout le pays, tout le peuple cambodgien puisse connaître enfin la paix pour toujours, que nous puissions vivre comme les autres pays. Qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de souffrance, qu'il n'y ait plus de ce malheur pour notre cœur. Ma souhait le plus cher, c'est ça. Je vous remercie. Je suis très émue, je ne peux pas. Merci, princesse. Peut-être est-il temps maintenant à nos amis journalistes de se retirer, car nos amis compatriotes. Les compatriotes aimeraient que la fête privée commence. Nous allons bientôt passer l'hymne national. Nous remercions en avance nos amis les journalistes de se retirer. C'est pas la peine de leur demander de se retirer, il faut rester, mais ils peuvent filmer. Non, elles sont les bienvenues. Nous inaugurons la démocratie libérale, alors si nous commençons par chasser la presse, c'est pas très honorable. Maintenant, il faut que la presse soit libre et je dois lui annoncer que l'accès du Cambodge désormais est libre. Donc, est libre, il n'y aura pas de liste noire. Il n'y aura pas de liste noire et les entrées, les sorties et la
durée de vos séjours, c'est à vous de prendre des décisions à ce sujet. Ni le Conseil national suprême, ni le gouvernement en place n'ont le droit de s'opposer à cela. Parce qu'ils m'ont promis solennellement et par écrit que nous sommes une démocratie libérale. Alors, qui dit démocratie libérale dit liberté absolue. Alors, je vous prie de noter que désormais, vous n'aurez plus aucun problème avec le Cambodge. Alors, je m'en porte garant. Merci beaucoup. Alors pour commencer, il y a seulement une chose que nous ne pouvons pas vous offrir, c'est le déjeuner parce qu'il y a un millier de compatriotes qui protestent encore parce que le Sofitel est grand, mais il n'est pas assez grand pour contenir tous ceux et celles qui veulent avoir une table. Alors c'est la seule chose que nous ne puissions pas vous offrir, mais vous pouvez rester à loisir avec nous. Voilà, vous ferez ce que vous estimerez devoir faire dans le cadre de votre profession si honorable et si respectable. Merci infiniment. C'est la table du Conseil national suprême du Cambodge. Son Excellence Hun Sen n'est pas encore arrivé, mais le gouvernement de l'État du Cambodge est représenté par son Excellence Aung San Suu Kyi. Et la résistance est au complet, je crois. Je crois que la résistance est au complet. ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិចំពោះលោកក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះសូមស្វាគមន៍សូមចម្រើនពរសូមជូនពរសូមសម្តេចក្រុមចៅសប្រៃជាតិព្រៃឈើយាក្រុមចៅអស់លោកកៅដំលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់សូមបានជួបប្រទេស
ແຕ່ເປັນພຸດທະພໍແຕ່ກວນປະການຄືອາຍຸວັນນະສຸຂະສະເລຈະຈະຈຸມສົບສະບາຍສົບປະອົມລົມມະນີຄະເນາະຂະຫນົງມະຫາໂພສາຈິດຄະໝາຍໄດ້ລະບານຕຕວນໃນສັນຕິພຽບອອກຕາຈະໄດ້ນິຍາມຕໍ່ຍິນຄະມະຫາການາລຸນິໂກນາໂທອິຕາຍາສາປະປານິນັງ ภูเรภาปารมีสัมปันโตสัมโพธิโมตตมังเอเตนะสายยวัจเจนะโหตุเตยยมังกะลังยะยันโตโมริยามุเลสัพยานังนันติวัฒโนเอวังควังวิทโยยะยะสุยยมังกะลิอัปปารายิตปัลลังเก สีเสปาตริโปกะเรอัพพิเสเกสัมมบุทธานังอากัปปะโตปโมตติสุนัขตังสุมังกะลังสุปะภาตังโสติตังสุขานุสุโมโตจะสุเยตังรัมมิจาริสุปะดะพินังกายกัมมังวาจากัมมังปะดะพินัง ลูกประเทียนเนี่ยทำได้ก็มีสมลูกเรียบจอมใส่สมประกอบนาจะถูกใจไปสุดได้จ้ะไปรอยตัวอันวันสบายนะจับจับมาจับไปพวกพ้องให้สารพ้องลูกตายเย็นตือจะมวยขยมโกนาตะพลงปิง ខ្ញុំម្ចាស់សូមថ្លែងនៅអំណរព្រះគុណជាបំលឹកបាយព្រះករុណានៅអ្នកនាងព្រះរាជាដែលបានប្រទានដល់ទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំនៅឱកាសដ៏ល្អប្រពៃដើម្បីទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំជួបជុំគ្នា
sống đây nơi sẽ đây sờ bay đi kia bắt ốc mà đòi ban chuông và phẹt ra cầu na nâng đẹp mà điên đẹp như chỉ hai nâng sẽ đây của rút đòi chiều cho đây prom tiền tức chất trở lạnh đòi smart smart trong khu đẹp cầu na nâng đẹp mà điên đẹp như chỉ tôi phải bằng công dương nhóm miễn sạch đây đi đi nơi bên khang bốc đó khai ni chia mặt khang chắc trong vị ngay tin mà phải muốn khai mi thôn á năm mà qua một buôn rồi cái sự môi mô nơi bên đại cả các loại na riêng châu tất nuông của đông krông bắc xa chia campuchia đóng na chu từ đông sang tây phía bẩn trăm tài chiên tư mục bẩn lục tê thaym tiền đóng na ni miền lợp bươn tư mục căn tài khăng thaym tiệt nông niêm này bằng ôn rung chiên dương nơi tì đi khi mà cha miền một tận nạp hiếm cả một chiều khai đại miên nẹt tận nòm đồ chân nâu nâng lập bay lập bay tu tiền sọc con lô đôi sầm bạch ơi tu đẹp bằng công dương nhóm rưng rưng đại miên một tận nạp hiếm đại ban bạc căn do xây hà nội đi dùng rồi hốt một đôi về đi dương nhóm sâu sầm đai xích đây của rút nâng cắt tình yêu ta thoa chấm phúc nẹ mà điên bè điên chỉ dìa đại bán đồng hào đẹp cả đồ nà đào xích ở đây là hàm nơi cực cả đạo tì sạc nông phê lỗ bác cổ đô chiếm phê sở bài tì bọn chọc xong đẹp cả đồ nà nâng nẹ mà điên bè điên chỉ dìa dìm có xôn lên đồng trây nâng sạch dìm sau bà giá tam phê hạ rửa tình cô cùng cô xong bà cà rô na nâng nẹ mình yên bà kia chì dìa trông bà đẹp mê tà trông Je remercie mes enfants bien-aimés qui veulent bien préparer, n'est-ce pas, une séance musicale en mon honneur, mais je les prie de bien vouloir retarder un petit peu le commencement de cette séance musicale afin de permettre aux distingués journalistes français ici présents de poser quelques questions à leurs excellences. Ah, ça, oui, à moi, le jeu de la démocratie et du pluralisme. Est-ce que vous pouvez confirmer ce que vous dites? Le mouvement le moment où il a commencé à diriger le pays à cause de ce qu'on appelle est-ce que cette nouvelle attitude que vous définissez aujourd'hui, comment l'expliquez-vous ce changement par rapport à ce qui a été votre politique dans le passé? Je vais vous expliquer.
y ait une réflexion politique d'ensemble de la part de tout le monde. Y aller vers le 10 novembre, donc... Et le problème, oui, je n'en ai pas encore. Je ne sais pas comment je pourrais faire, mais j'irai à... Hier, on en a arrivé. Hier, j'en ai rien, ils m'ont fait retenir et tout. Et là,
Bye.
prua pamban kai kon lor doi mam non yo mo chia du kra lutra hava sa Thank you.
la gloire du Cambodge qui recouvre avec la paix et l'unité nationale son indépendance, sa souveraineté et son intégrité territoriale, sa dignité et son honneur. Alors permettez-moi aussi de voir à la gloire de la France qui nous a tant aidés dans ce processus de paix en faveur du peuple cambodgien, à la liberté, au bonheur, à la prospérité de notre peuple bien-aimé, le peuple cambodgien, à votre santé, à votre bonheur, à tous et à toutes. Merci de tout mon cœur. Merci. Tous les deux ensemble,
phong thoa công sầm lách vì bạch thiệt xong cô rốt ai đông lục trầm tiêu o lục nghe tóc mọ cái ban vật miên đầu tiên đi chia bạch thông xong o côn trốn xa mình đi mết để xem mình đi o pè ở xong o o côn lục trầm tiêu ai đông nhắc chú lòng cái ban hào dương nhóm mò chuông chung nơi tỉ nít đồng bệnh là cổ rục sầm lách và thiền tổng quân ban tổ tuôn mẹ riêng mùi nơi mà nì sốc lục duyên an hò mô lộ lục miên bà xa bà đào tổng quân là bà cao ná thơ xa nạc thơ cũng thơ bên bây vì bố thơ bên bây là cái ta đáy nó cái thơ thù rồi vì bố nhìn trốn bây bạn chồng của nó được chấm tổng quân được chấm được chấm biết không bạn tổng quân xong rồi nha được hai tổng óc nia đâu nấy chuyện đã bao nhiêu vòng là chồng của nó ban chú đầu tiên nấy ban về tổng quân đã xong o quân chú chỉ phong nêu quân sầm lạnh để ban đốc sẽ bao nhiêu hàng mà đòi ôi khơi tỏ thì mình sẽ không ta đã tích tiến nó bằng tiêu sọc mà tỏ thì hỏi hôm nay tôi là con chị nhóm tôi bật trong ban đắp chồng riêng và ban bong bắt đầu bong vô hỏi ông mình chăm chả là mình chăm biệt đấy chả con chăm mà tê con chăm con chiên chả con chiên chun sầm đáy á rồi tay dương bắt tầm bom ông bắt tầm bom mà đồ chết ơi chả con mình chun chết nhóm bom bắt bom tăng bị chết sập bom mình toàn mang tư du nó thôi mà thà lỡ đôi sầm đáy đất nó mình chăm bắt tư bắt bom tư không pin tầm đó trong phần na tổng quân xong nông niêm bỏ bồn nó chia tổng ốc được trong sáng đi chỉ đám nông niêm bánh vòn xong thay nhầm nó quân đỏ trường trạng trung quốc xong lạch chỉ mình chắc bố tiền ốc lâu nè để xong mình chất phần ông chua rộng phần xa chiếc để ngày ní tổng ốc nha bố ông chỉ tổng quân đá xong thoai xong lạch chỉ vật thiến miền để mà tôi chưa nằm vào chồng và đây tôi là công trình nhóm đôi xa từ ban trôn sang bên đây đâu hàng người nhát ở dưới chọn thấy nhớ tổng tổng quân của ban biên cảnh tỉnh đấy ban xong hàng người nhát lại là gì ban xong thấy là nó quân khăn ông niêm bỏ bộ chọn thôi thì lấy nêu bộ quân sầm đánh để nom oi dương đó kia thằng ai mà phải bay nó ban chó hay thà lịch ca nêu kết sở nhà muối đừng no mà dương thơm nó tưởng bình tổng quân miễn sống khăn sách ở đây sẵn không tả muối đấy và tưởng bình ý và thà sốt xuống nha mẹn tế rồi hỏi các bạn nêu sọc khmá chìa khmá chìa khmá xăm một chức xăm đầy mò thơ ca chìa môi khía khăn ông tỷ bật xa chiếc chọt phuộc ấy bây là có sang sọc lần mình vì vô ca có sống sẽ sọc mai đi mình mang xuống lên hay đôi chân ấy mà tôi là công việc nhóm sống hay bọn cô tỏ chỉ đang bao nhiêu con để nên chậm nét mình chia chéo chia mình thích tiết đó và sống đây thì mình chắc ban sẽ đây từ bình hóa giờ trong cuộc sống 28 có thể bọn cô tỏ để nên chậm nét chia cục con sống chơi tới để mình có sang sọc dư hỏi ban công tất cả lâu mấy hợp trong con á tầm cún rồi xong o cún túc sĩ dầm hồn đó chưa riêng chưa đâu đòi hợp chưa tìm một phát chuôn chụp cua bóng ôn phòng trao một bầy mật tầm o đại lục mê ta riêng trong tắc tay nêu tham hợp khi nâng bà đánh xong thầy rắc cách nâng ca chụp liêng đó cả chạy ở trong
nơi trong Sofitel Paris đi hỏi xong mà lại đây sợ xa của một trang vàng nên một lần hàng Sofitel hoặc là khi nhóm xong lại nơi sẽ cái đây ông nó ở bật quân sẵn tay chạy cây nhắc chú lông và thiên quân sĩ bạch nâng lục tiêu prom tang ở quân khả nạc Kamatika riêng trong các tay và lại sẵn tay ra kênh nâng ca tự tu đo trái chạy với chồng chia kê tử vua đo khí nhóm chì kê tử vua đo phè rìa khí nhóm chì kê tử vua đo là ai tâm sau mà chức nây trong phía xa chuẩn của nây tổng chìa dương đại phản chơi chú mô nông tin đi tai hỏi xôm lãnh dịch đây xa xa là nó có khao nông ca đề bọn ôn con trang thầm ơ bán tắt tay xô hơi bán hai chú chi cực bà giang thầm ơ nông ca tôi tu liêu khi nhóm đi rộng đèn nông ca bởi chênh đó chú băng luật nâng mà nô say chết tà na sna ha chia tết bà ma chúm phua chiếc miệng tổng hôn chúm phua cọc chia dương hỏi má bởi chênh nâng sẽ cái đây sắp bài sau mà nó hành đi đi đó bởi vi chúm phua là tập hôn lọ o chìa bà quạt thị xa đèn dương bởi chia chuân bởi chia phô lô rạc bởi chia chiếc mai cọc chia bà rô ba chúm vui một nìa rồi các bạn các con một chút cho năm hỏi để lúc đó có rời hỏi lúc thà đó có rời thì ai cứ riêng làm vinh sẽ đây kiếm à khắp ở đây kiếm nó có nặng kiếm từ đây sẵn tiếp hiếm ca ruộng ruộng kia chỉ trông nguôi đa vinh đôi đám chia kê tử dụng chia kê tử dụng chia cái đây ruộng rương càng càng làm vinh hỏi đó là cũng dương đó là không chia dương tôi nên nó phải chia một đi cứ xong bằng chết hai bằng chết tiên khá lót tập hôn để rộp bàn cứ rộp bàn một ổng phí cả quán trơ bóng ôn con trao tập hôn chẳng nông bởi tên chẳng ra bởi tên cực rút nông khả nạc bóng ôn con trao chia nét sát hai chiếc chia nét sát trông chia cuốc bằng chia dương chia đà ra chẳng đai biệt về nâng chia sát đây, robot con cháu hơi mấy gian chia tiền chia sát đây robot rây mất, chẳng ớt nông bị phục lộn để chui con trò chui lướt tập chất nê dương tập ớt nia ở thua ca tư còn ở nơi này, cứ ở chết ở phụ bia chết to su phụ bia ở sắc tầng lai rồi hốt sầm rách ba tố nâu và thốt bóng non đó thì sức nê dương đâu lo xong chấm liếp mà gia tiếp tha dương mình anh vẫn thổi còi từ bình bàn tê mình men vẫn từ thổi còi từ bình bàn tê tập đoàn có trai còn đây hơi cứ tha chết từ một hơi từ một nồng lâu anh cứ nghe kể vuốt nồng lâu mua từ nặng hiệp chiên nồng lâu ca rung rương hơi nồng lâu chấm rong chấm rang họ pi ca có sang chiên chẳng khi ông bị gì bị mất từ một đi còn tái muốn mình bị gì ông pi ca cò sàn chiến nhưng sau chung nữ ca phải chết bật tay của tôi chấm cua phần hà ông pi phần hà là ông pi sát thi mà nô sư lô sau bọc ôn một trang triệt thả ở miết sát thi kia phó sát thi là kia phó miết ca của rốt chấm cua sát thi của nô sư lô tôi chứ này thường biết cả thường biết đấy thường biết thôi đó vì bố con của mẹ tôi mẹ con thì nãy à lâu chăm ta lá ơi thì chị nghe tiếng thì liên trong phần chung tôi và mát phi rồi hốc sắp bay đây chết tập bay rồi nhé hãy tập liên một phần vui một phần cứ càng để biết càng sự vơ nên sắp tập bố ông ca ra cái chiếc kia tàu kê tàu khi chui mờ ca có tàu cần giúp được ngày thôi kê miên rồi tê lam kê miên có bao kê miên nè có thông việc chặt cái đi công xe kê miên cho nó thọt kê mơ thọ đầu chua như thế nào đối với nét ca cái chiếc mà miên hộp sọ bài nâng hơi to kì kì rồi hộp sọ lại nhanh tâu
ខ្មែរយើងណាមិនចាំបាច់ថាទៅជាខ្មែរឬក៏ទៅជាបារាំងទៅជាអង់គ្លេសទេបើចិត្តខ្លោនៅទៅជាខ្មែរស្មោះត្រង់ជាគឺថាឌូបណាសិយណាលីតេគាត់ឲ្យត្រីប្លូណាសិយណាលីតេគាត់ឲ្យវានឹងតែខ្មែរតដែលចា
trong này dễ tới con tam cao phía sau miếng khai khá viên chụp uống miếng tập uống đá miếng cao miếng về đá con viên về đó đó chay chay tới là miếng bụng national tê tê thật tê khai miếng cao cằn cao khai miếng đá cằn cao bờ răng cằn cao làm rít cằn như na bên dưới hàng mai như na tê đâu chứ này mình nấu còn chết còn cũng đứt chứ cái của mình mất nấu còn nè ấy cả tắt chưa thả, việc mình trả cặp cho coi sẽ
ấy cũng nói dùng bên nơi tóm đúng được trim là chung nào thế thì dùng nơi tóm chậm thì nơi tóm như thế được tua bay miên bạc có thể không ai xót đất có chuột cao miên đã khắc mình chỉ xua một màn tài chắc mình chỉ xua một màn tài ôi bây giờ tiết trả cắm khi khắc mà kia thơ espionage cứ kê phải giác tác thì mình thơ chưa bảo răng thơ chưa áo với cắm thơ chưa ai nhìn cái cắt cắt không ai được không ແລະອ້າຍເລຽດຈິດແລະອ້າຍເຖີຕະຄະມາມາຂອງເຖີຕະຄະມາອັນນັ້ນເກຕົກຈັດຫັ້ນຄືມີການຕົງຄວຍຕົກຈັດອັນນັ້ນອ້າຍມັນບໍ່ເຖີຟູ່ປາໄດ້ໂດຍຈະອັນນັ້ນບໍ່ປານຫາບໍ່ມັນເລີຍຕ້ອງຖ້າດູມາຊົນນາເຕມັນດູມາຊົນນາເຕຕຣີມາຊົນນາເຕອີ່ເຕຄືຕາຢູ່ບໍ່ຄຽວບໍ່ຄຽວກີ້ໂດຍຈະໃຫ້ລົກໂລກມີຕາສະຫນາມຂ້ອຍບໍ່ຈະຕາມີຕາກົມອ້າຍມີແລະຄັນປາຕະຄອນດິ
ឡើងប្រភេទមួយឆ្នាំឡើងចំណែកតើមើលអាយុទៅទៀតវិញគ្មាន
Je vous en remercie. Ça, je soupçonne les petits pains de vous donner ce titre-là, mais ceci dit, c'est un peu prématuré.
vous pouvez donner au président du Cambodge un peu plus de pouvoir. Parce que inaugurer des expositions d'orchidées, hein, ça va. Mais à côté de ça, il est le conciliateur, le papa de la nation, hein, et le pont entre les factions. S'il y a une crise politique, il doit intervenir pour arrondir les angles, pour relancer la démocratie, n'est-ce pas, pour résoudre la crise, mais non pas dans le sens d'une dissolution de l'Assemblée ou dans le sens d'une reprise du pouvoir, mais dans le sens de la relance de la démocratie libérale. Voilà. Dans le cadre de la renaissance de notre Cambodge. Yeah. C'est bien.